Bonjour, bonjour, ici Stéphane, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Marvel sur le match de la Ligue 1, la 20e journée de match de la Ligue 1, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, match nul, un partout. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Voilà, c'était un match plaisant quand même. J'ai vu la première période, le Paris Saint-Germain, quoi, ils ont le ballon. On a eu des occasions, hein, on a eu l'occasion de Mbappé sur le poteau, et puis la frappe, le lob de Marquinhos, hein, claqué par Lopez, et la frappe de Paredes aussi. Mais Lyon, par contre, hein, ils ont joué que en contre, quoi, Lyon, tous en défense, quoi. Et c'est là qu'on on se prend des vagues. On a eu l'occasion d'avoir. Et ce but de Paqueta, hein, qui part tout seul et voilà, qui trompe Navas. Et ça fait 1-0. En plus, on se prend un but très tôt à la 8e minute. À la 8e minute, voilà. Après que Paris essaye de jouer. Après, j'ai deux. Mes deux coups de colère, quoi, c'est les deux joueurs qu'ont eu que 8 ballons à la première période, c'est Wijnaldum et Icardi. Je suis vraiment déçu de ces deux joueurs-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein, ils ont rien foutu, quoi, ces deux joueurs-là. Voilà, cette première période, voilà. Mais quand même, on a eu le ballon, on a eu un très gros bloc côté lyonnais, ils ont co-défendu Lyon, et par contre, quoi, ils ont eu des comptes, tout ça, et voilà. La deuxième période, j'ai bien aimé la deuxième période, on a vu un Paris Saint-Germain encore plus en avant, on a eu un très bon Nuno Mendes, mes amis. On a eu ces changements qu'ont vite changé tout, hein, ces jeunes, Michou, Xavi Simons, Eddie Dinamibé aussi qui est rentré, et Thilo Kehrer, mes amis. Et voilà, à la 76e, le Paris Saint-Germain égalise, mes amis, hein, sur un centre d'Edouard Michou, en plus avec une belle. Belle occasion avec Xavi Simons qui donne à Verratti qui redonne à Michou qui centre, et c'est Thilo Kehrer, mes amis, qui égalise avec un super but, mes amis. Je suis extrêmement content pour lui, toujours là, critiquer ce joueur, mais voilà, il nous a sauvés pour ce match. Et aussi ce coup franc à la 84e minute, hein, ce poteau encore de Kylian, hein, sur ce coup franc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme occasion, à part ça? Les aussi, ils ont eu deux occasions, hein, un très bon Navas aussi, très bon Navas, voilà. Côté parisien, le joueur qui m'a vraiment plu, c'est les jeunes, quoi, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Il m'a fait du bien, cette deuxième période, Michou, première passe décisive, mes amis, faut pas oublier. Et aussi, petit Xavi Simons aussi, qui s'est fait deux grosses fautes de l'autre con de Boateng, qui méritait pour moi un carton rouge pour moi. Mais voilà, voilà. En plus, côté parisien, on a énormément d'absents, il manquait énormément de joueurs en attaque. Messi, Neymar, Di Maria qui était pas là, et ces jeunes, ils vont nous faire vraiment du bien cette deuxième partie de saison. T'as vu, hein, t'as vu Pochettino, voilà, faut faire jouer les jeunes, et grâce à ces jeunes, on gagne un point. Là, je suis extrêmement content de cette deuxième période, même si on perd pas. Lyon aussi, hein, ils ont eu des occasions. On n'a pas eu de chance avec ces deux poteaux, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, mes amis, moi je vais clore cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Côté classement, on est toujours premier largement. On a 60, 40. 47 points là, Marseille et Nice sont juste derrière nous à 11 points maintenant.
Voilà, on perd pas encore. C'est l'important, c'est ça. Et j'espère que que nos blessés, nos Covid aussi qui reviennent pour le prochain match. C'est face à, je crois, c'est face à Brest, je crois, le prochain match. Si je raconte des conneries encore, excusez-moi quoi, voilà. Mais je crois que c'est face à Brest le prochain match. On verra. Hein. Et juste, en plus, on repart de dépenses en plus. En plus, hein, je vais te parler aussi de l'ambiance de merde à Lyon, avec ses pas de supporters, tout ça, c'est casse-couille. Mais voilà, à cause du Covid, tout ça, c'est casse-pied, quoi, voilà. Bon, allez, mes amis, allez, Paris quand même. Je suis content de cette deuxième période. On perd pas et on est toujours là, et voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et allez, Paris. Bye bye.